Bonjour, je voudrais vous présenter un roman graphique de 192 pages intitulé « Beate et Serge Klarsfeld, un combat contre l'oubli ». Les auteurs sont Pascal Bresson et Sylvain Dorance et cette BD a été publiée en 2020 par la maison d'édition Boîte à Bulles. Ça commence avec Serge Klarsfeld, petit garçon français sous l'occupation allemande qui réussit à échapper au nazisme parce qu'il est caché dans un placard à double fond. Plus tard, il devient avocat et passe sa vie à poursuivre, essayer de réunir les preuves pour condamner tous ceux qui ont participé à la solution finale. En fait, cela devient le combat de toute une famille puisque sa femme, Beate, qu'il rencontre alors qu'il est étudiant, elle est allemande, va aussi lutter contre les nazis et les anciens nazis. Elle va oser affronter les plus hauts dignitaires de l'Allemagne d'après-guerre et notamment dénoncer d'anciens nazis devenus magistrats ou politiciens et dont l'un est même devenu chancelier. Arnaud Klarsfeld, leur fils, va devenir lui aussi avocat et va rallier la cause pour essayer de dénoncer lui aussi les nazis et rendre justice à toutes ces familles juives. Cette BD historique raconte la vie extraordinaire de cette famille et leur engagement incroyable. Au niveau des illustrations, on a un contraste avec des illustrations en couleurs assez chaudes, presque sépia, mais un peu plus diverses, mais douces, qui révèlent la famille unie des Klarsfeld et qui alterne avec des planches en noir et blanc qui relatent les périodes de la guerre. Et ces pages en noir et blanc, on a juste une petite touche de couleur rouge qui marque bien la différence. Je vous conseille donc vivement de lire ce roman graphique historique formidable. Je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine session de Prends ça dans sa palle.